Chaque semaine, vous trouverez de nouveaux livres sur notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et dites-le à vos amis. Nous offrons également à nos abonnés des cadeaux sympas. Il y a vraiment de super cadeaux à remporter. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Introduction Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir comment vous pouvez développer et optimiser votre propre routine matinale à l'aide du livre audio Une matinée productive. Notre vie quotidienne est remplie de défis et il est essentiel de savoir comment les affronter. Un rituel du matin bien pensé peut nous aider à démarrer notre journée avec énergie et concentration. Dans ce livre audio, nous souhaitons explorer les secrets des personnes qui réussissent, en utilisant leur routine matinale pour exploiter tout leur potentiel. En suivant nos exemples inspirants et astuces pratiques, vous serez guidé dans la création de votre propre rituel matinal pour débuter chaque journée avec énergie et motivation. Apprenez comment planifier vos tâches quotidiennes, méditer, pratiquer une activité physique ou prendre soin de vous pour une journée productive. En outre, vous découvrirez comment non seulement forger une matinée productive, mais aussi créer une soirée apaisante, un équilibre harmonieux qui vous permettra de tracer la voie vers un jour accompli et une nuit sereine. Vous vous apprêtez à découvrir une approche inédite pour vivre pleinement, vous rapprocher de vos objectifs et apprécier chaque instant. Explorez les secrets d'une matinée réussie. L'importance des routines matinales. De tout temps, les cultures du monde entier, qu'il s'agisse de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique ou de l'Europe, ont reconnu l'importance des routines matinales. Un éventail fascinant de rituels matinaux traverse l'histoire et montre la diversité et la créativité avec lesquelles les gens du monde entier commencent leur journée. Un exemple bien connu est le Surya Namaskar, une ancienne pratique de salutation au soleil datant de plus de 2000 ans en Inde. Cette séquence de postures et d'exercices de respiration est pratiquée au lever du soleil pour établir une connexion avec la source d'énergie naturelle. Elle a un effet positif sur le corps et les processus de pensée. On trouve des rituels quotidiens similaires au Tibet et en Birmanie, Myanmar. L'Ayurveda, la philosophie de vie indienne ancestrale, donne des instructions détaillées pour bien commencer le matin. Même le pied duquel on se lève joue un rôle à cet égard. Un autre exemple est le rituel matinal des Tobacom, de la région du Grand Chaco, qui accueille le soleil levant avec des chants, des danses, des tambours et des cris. Des pratiques similaires existent également chez d'autres peuples voisins d'Amérique du Sud. Les cultures européennes connaissent aussi bien de tels rituels qui ont été remplacés plus tard par des prières matinales et des services religieux. L'essence de ces différentes pratiques réside dans la volonté de commencer la journée de manière consciente et concentrée, en harmonie avec le divin et la nature. Chaque jour est un nouveau cycle et une chance de renaître, et ces pratiques témoignent d'un désir profondément enraciné de passer un temps productif. De nombreuses personnes reconnaissent les avantages de tels rituels pour réveiller le corps, améliorer l'humeur et profiter pleinement de la journée. Pourquoi ne pas utiliser aujourd'hui des pratiques similaires axées sur la concentration, l'énergie et une attitude positive Dans ce livre audio, nous explorons les secrets des personnes qui réussissent et qui utilisent leur matinée pour développer leur plein potentiel, et nous allons vous donner de nombreuses idées pour bien entrer dans la journée. Des conseils et des exemples éprouvés vous aideront à développer et à optimiser votre propre routine matinale. Nous prenons en compte des aspects tels que l'activité physique, la clarté mentale, le repas, le soin de soi et la spiritualité. Notre objectif est de vous aider à créer une routine matinale qui donne une structure et un sens à votre vie quotidienne. Les routines matinales sont personnelles. L'organisation de la routine matinale est autant unique que l'empreinte digitale de chaque personne. Nos préférences, nos habitudes et nos rythmes biologiques sont variés. Exercice physique ou retraite spirituelle, le choix est personnel. Alors que les leftos aspirent à saluer les premiers rayons du soleil, les couches tard ne trouvent leur énergie et leur créativité que le soir. Les moments de la journée et de l'année, ainsi que les circonstances individuelles, jouent un rôle important dans l'élaboration d'une matinée sur mesure. Une routine matinale efficace et épanouissante, Devraient toujours être individuels et s'orienter sur les besoins personnels. Même les études modernes sur le sommeil sont souvent contradictoires. Alors que certains considèrent que 5 à 6 heures de sommeil sont suffisantes, d'autres mettent en garde contre le fait que dormir peu réduit la productivité et met la santé en danger. Il ne s'agit pas ici de promouvoir un concept particulier. Les fameux livres sur l'organisation du matin ne sont que des expériences de personnes. Pour lesquelles telle ou telle méthode fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. Soyez simplement vous-même. Les fonctions cérébrales et les biorhythmes changent également à différentes étapes de la vie, en fonction de la condition physique, de l'état de santé, du stress et des émotions. Nous vous encourageons à prendre soin de vous, à expérimenter et à essayer des idées qui vous plaisent. Votre routine matinale influe sur le reste de votre journée. L'importance d'une routine matinale régénérante ne peut être sous-estimée car elle peut faire toute la différence entre la réalisation de vos objectifs quotidiens et le sentiment de n'avoir pas pleinement saisi le jour. Lorsque vous entamez votre journée avec énergie, concentration et une intention positive, vous êtes mieux armé pour surmonter les défis qui se dressent sur votre chemin. Et pour être productif dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. En adaptant votre routine matinale à vos besoins et à vos objectifs actuels, vous créez un équilibre sain entre le travail, les loisirs et les soins personnels, ce qui se traduit finalement par une meilleure qualité de vie. Vous presser dans les premières heures de la matinée ne vous aidera pas à affronter la journée éveillée, frais et dispo. Les personnes qui sont productives et réussissent commencent leur journée posément de façon résolue. Il n'y a pas de routine matinale universelle. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. Vos heures de travail, vos rythmes personnels et, le cas échéant, vos responsabilités familiales, notamment si vous avez des enfants, déterminent la meilleure façon de commencer votre journée. Certaines personnes adoptent un mode de vie simple, axé sur l'exercice physique régulier, Tandis que d'autres préfèrent une routine matinale centrée sur la spiritualité et l'attention à soi. Au fil des différentes étapes de la vie, votre routine matinale évoluera, s'adaptant à vos valeurs, à vos intentions et à vos responsabilités changeantes. La première heure de votre journée ouvre la voie à une vie empreinte de sens que vous pouvez façonner en alignant vos actions sur vos convictions. En incorporant des pratiques qui vous inspirent et vous revitalisent, votre routine matinale devient une source de force et de clarté qui vous prépare à saisir chaque instant avec confiance. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort de cadeaux sympas. Stratégie pour un réveil plein d'énergie. Le déroulement physiologique du réveil L'être humain est régi par des rythmes circadiens, une horloge biologique qui influence le sommeil, l'éveil, le tonus et la digestion. Ces rythmes sont orchestrés par des gènes qui activent ou désactivent des processus métaboliques tels que le stockage d'énergie et la sécrétion d'hormones. Le mécanisme principal de cette horloge se situe dans l'hypothalamus. Il reçoit des signaux des cellules photosensibles de la rétine et d'autres récepteurs pour synchroniser nos rythmes biologiques. L'endormissement et le réveil font partie intégrante de ces rythmes et sont accompagnés de nombreuses fluctuations hormonales. L'interaction entre deux hormones clés, le cortisol et la mélatonine, dans la régulation de la transition entre le sommeil et l'éveil, est particulièrement intéressante. Au lever du jour, notre organisme commence à produire du cortisol, parfois appelé l'hormone du stress. Cependant, le cortisol ne se limite pas à gérer le stress, il joue aussi un rôle essentiel dans notre réveil. L'augmentation de la sécrétion de cortisol au petit matin nous permet de passer progressivement de l'état de sommeil à celui de veille. Cette montée de cortisol nous rend progressivement plus actifs et attentifs, avec une augmentation de la pression artérielle et de la concentration. Simultanément, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue. La mélatonine régule normalement notre cycle de veille et de sommeil, étant produite en plus grande quantité pendant les heures sombres de la nuit. À mesure que la lumière augmente, la production de mélatonine diminue, nous préparant ainsi pour la journée à venir. Le soir, la production de cortisol se réduit, tandis que celle de mélatonine S'accroît, induisant la somnolence. La majeure partie de l'évolution humaine s'est probablement déroulée sous des latitudes proches de l'équateur, où la durée du jour et de la nuit ne varie pas beaucoup au fil des saisons que sous des latitudes tempérées. Ainsi, nos rythmes circadiens génétiquement programmés ne changent pas autant d'une saison à l'autre. Durant les mois sombres d'hiver, il peut être plus difficile de se réveiller plein d'énergie en raison d'une exposition réduite à la lumière. Cependant, avec l'arrivée du printemps, il devient plus naturel de se réveiller dynamique. Les saisons ont donc une influence notable sur notre expérience matinale. La lumière, naturelle ou artificielle, joue un rôle clé dans la régulation du rythme, bien que d'autres facteurs interviennent. La lumière bleue émise par les écrans d'ordinateurs, de télévision et de smartphones perturbe également notre rythme circadien. Les personnes qui utilisent ces appareils le soir ont souvent du mal à s'endormir. En hiver, lorsque les nuits sont longues et le réveil difficile, allumer la lumière dès le matin peut aider à un réveil plus prompt. Malheureusement, travailler de nuit, rester éveillé tard devant la télévision, s'occuper d'un bébé, le stress provoquant l'insomnie, ainsi qu'un dîner tardif et copieux, peuvent tous perturber ce rythme, rendant le réveil matinal difficile. Comment se lever plus facilement le matin même si l'on est noctambule Chaque individu est régi par ses rythmes circadiens, une combinaison de caractéristiques innées et acquises. Les plus notables sont les tôt et les noctambules. Les tôt se réveillent tôt mais ressentent une grande somnolence le soir. En revanche, les noctambules préfèrent veiller tard la nuit mais éprouvent des difficultés à se lever le matin. Cette particularité rend parfois leur adaptation à un mode de vie standard plus compliqué, les obligeant à se lever bien avant que leur corps ne soit prêt. Cela peut avoir un impact sur leur bien-être général. De nombreux scientifiques supposent que les êtres humains sont naturellement enclins à être des leftos et que le fait de devenir noctambule résulte d'une perturbation de leur rythme de sommeil naturel. Cette perspective laisse entendre que nous avons la capacité de modifier notre rythme de sommeil. Pour l'adapter à nos besoins. Des scientifiques britanniques et australiens ont mené une étude confirmant cette idée. Ils ont guidé des noctambules pour qu'ils se couchent et se lèvent à des heures régulières, évitent l'utilisation de dispositifs électroniques avant le coucher, limitent leur consommation de caféine après 15 heures et passent du temps à l'extérieur le matin. Après trois semaines, les rythmes biologiques des participants avaient avancé de deux heures et ils ont signalé moins de somnolence diurne. De stress, de dépression et une amélioration de leur temps de réaction. Que vous soyez un couche-tard ou un lève-tôt, il est entre vos mains de créer une matinée saine. Si vous avez des difficultés à vous lever le matin, voici quelques astuces pour rétablir un rythme plus harmonieux. Si vous préférez commencer votre journée tôt, vous y trouverez des suggestions pour rendre vos matins encore plus productifs. Expérimentez l'heure du réveil. Le moment où vous vous réveillez est étroitement lié à votre cycle de sommeil. Idéalement, vous devriez vous réveiller pendant la phase de sommeil paradoxal pour vous sentir rafraîchi et plein de force. En observant vos habitudes de sommeil et en allant au lit à peu près à la même heure, vous pouvez expérimenter différentes heures de réveil pour trouver celle qui vous convient le mieux. Pour les adeptes de la technologie, il est recommandé d'utiliser un réveil intelligent via un tracker fitness ou une smartwatch. Ces appareils surveillent vos phases de sommeil et vous réveillent au moment optimal, facilitant la transition du sommeil à l'éveil. Vous commencerez ainsi la journée avec plus de vitalité et de vigilance. Placez le réveil à distance. Si vous ne l'avez pas déjà fait, éloignez votre réveil du lit. Cela vous oblige à vous lever et à bouger pour l'éteindre augmentant ainsi votre activité matinale et favorisant un réveil plus rapide. Laissez le sonner à proximité du lit et il est possible que vous l'éteigniez en restant à moitié endormi avant de vous rendormir. Cela vous est sûrement déjà arrivé lorsqu'il semblait que le réveil sonnait dans un rêve. De plus, libérez-vous du bouton rappel d'alarme de votre réveil. Pour la plupart des gens, appuyer sur cette touche les rend plus grincheux et léthargiques plutôt que de les pousser à se lever dès la première sonnerie. Allumer la lumière. Allumer la lumière dès que le réveil sonne, ou utiliser une minuterie pour l'éclairage, peut aider à activer votre corps et votre esprit. La lumière stimule votre système et facilite le processus de réveil. En hiver, lorsque les journées sont plus courtes et les matins plus sombres, allumer la lumière au réveil peut être particulièrement utile. Vous pouvez même opter pour une minuterie de chauffage pour que votre chambre soit confortablement chaude lorsque vous vous levez, réduisant ainsi la tentation de vous blottir à nouveau sous les couvertures. Faites votre lit immédiatement. Faire son lit dès le réveil vous donne un premier sentiment d'accomplissement et d'ordre, jetant les bases d'une journée bien organisée. C'est aussi un signal psychologique qui indique qu'il n'y a pas de retour en arrière, incitant votre corps à se mettre en mouvement. Il n'est pas surprenant que l'armée exige des soldats qu'ils apprennent à faire leur lit rapidement, car cela enseigne la discipline. Prenez l'air ou buvez une boisson sur le balcon. Profitez de l'ensoleillement du matin pour avoir un impact positif sur votre rythme quotidien. Prendre quelques respirations d'air frais au réveil peut aider votre corps à se réveiller. Si vous habitez dans un immeuble, sortez quelques minutes sur le balcon ou du moins à proximité d'une fenêtre ouverte. Buvez une tasse de thé ou de café ou étirez-vous simplement. Idéalement, prenez le temps de faire une promenade. Un verre d'eau chaque matin. Boire un verre d'eau le matin permet de réhydrater votre corps après une nuit sans apport d'eau. La déshydratation peut entraîner de la fatigue et parfois, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux est de boire de l'eau et non de dormir davantage. De plus, un verre d'eau à température ambiante ou tiède stimule les processus digestifs. Vous pouvez préparer un verre d'eau la veille et le placer près de votre lit. Lorsque vous le buvez, visualisez que chaque gorgée d'eau vous apporte force et joie pour une nouvelle journée. Faites de l'exercice. Une routine matinale qui intègre une forme d'activité physique, qu'il s'agisse d'une douche à l'eau froide, d'une brosse à dents ou d'une petite séance de gymnastique, peut stimuler la circulation sanguine et lymphatique, vous donnant un regain d'énergie. L'activité physique matinale, comme une promenade active, une course légère ou une balade à vélo, est une habitude puissante. Cela libère des endorphines, vous met en forme et définit une intention positive pour les heures à venir. C'est un moyen concret d'investir dans votre bien-être physique et mental dès les premières heures de la journée, ce qui peut contribuer de manière significative à votre succès général. Choisissez des sons matinaux apaisants. Il est tout aussi important de gérer les distractions au cours de votre routine matinale. Éteignez la télévision, mettez vos appareils numériques en veille, évitez la musique forte pour ne pas être perturbé par des bruits brusques le matin et préservez la tranquillité d'esprit. Laissez votre journée commencer à votre propre rythme au lieu de réagir à des stimuli extérieurs. Cette mesure contribuera à réduire les sources de stress, offrant ainsi un environnement paisible pour la concentration. Au contraire, la musique, qu'elle soit classique ou apaisante, peut jouer un rôle clé dans la création d'une atmosphère calme et inspirante le matin. Elle favorise la réflexion, stimule la créativité et vous aide à vous préparer mentalement pour la journée à venir. Lorsque le temps le permet et vous avez une zone naturelle près de chez vous, Rendez-vous près d'un ruisseau, écoutez le murmure de l'eau, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux. Cette promenade vous apaisera, vous plongeant dans une ambiance positive. À chaque inspiration, puisez l'énergie de la nature. Créez du temps pour une routine matinale efficace. Vous sautez du lit cinq minutes avant de devoir partir pour le travail ou l'école Si c'est le cas, vous ne vous accordez pas suffisamment de temps pour une routine matinale bénéfique. Il est crucial de créer un espace dans votre emploi du temps matinal pour des pratiques positives. Pour ce faire, vous pouvez régler votre réveil 5 minutes plus tôt que d'habitude et augmenter ce temps progressivement chaque semaine. Cette approche vous permettra de mettre en place une routine matinale épanouissante plutôt que de vous précipiter dès le réveil. Pour bien commencer votre matinée, intégrer des actions simples qui auront un impact significatif sur le reste de votre journée. Par exemple, l'écrivaine et ancienne pompière Caroline Paul commence chaque journée avec une tasse de café et un livre ou un numéro du New Yorker. Elle règle son réveil pour se lever entre 6h et 6h30 afin de pouvoir écrire avant que la matinée ne s'envole. Paul trouve souvent que la transition entre la tranquillité du petit matin et l'agitation de la vie quotidienne est saisissante. D'autres, comme James Freeman, fondateur d'une célèbre entreprise de café, commencent sa journée à 6 heures du matin avec un cappuccino. Lui et sa femme aiment savourer leur café et lire le New York Times au lit avant de commencer leur travail ou leur séance d'entraînement. Un matin pour le corps. Intégrer l'exercice physique dans la routine matinale. Prendre soin de son corps le matin. Lorsque vous vous concentrez sur certaines habitudes de soins, vous favorisez non seulement la fraîcheur physique, mais aussi la clarté mentale. L'objectif consiste à réaliser, au réveil, une activité qui ne requiert pas toutes vos capacités mentales, laissant ainsi à votre corps le temps nécessaire pour s'éveiller. Il existe plusieurs routines de soins corporels efficaces qui peuvent vous aider à vous réveiller plus rapidement. Par exemple, une douche matinale rafraîchissante éveille les sens et favorise l'oxygénation. L'alternance entre eau chaude et eau froide stimule la circulation sanguine. L'utilisation d'un tonique pour le visage contenant des ingrédients vivifiants tels que la menthe ou le citron rafraîchit la peau. Appliquez le tonique délicatement sur votre visage, puis rincez-le à l'eau froide pour activer votre organisme. Cela vous permet de chasser la fatigue et de retrouver immédiatement une sensation de fraîcheur. Quelle que soit votre préférence, veillez à bien hydrater votre peau et à appliquer une protection solaire pour la préserver des agressions environnementales. Un bref massage du visage effectué avec le bout de vos doigts stimule la circulation sanguine, détend les muscles et accroît votre vigilance. Utilisez des mouvements circulaires doux pour soulager les tensions du visage. Ensuite, se brosser les dents le matin ne revêt pas seulement une importance pour l'hygiène buccale, il constitue également un moyen simple de vous sentir frais et alerte. Le goût du dentifrice et l'effet rafraîchissant de l'eau peuvent vous donner un regain d'énergie immédiat. L'oil pulling est une ancienne pratique ayurvédique qui consiste à se rincer la bouche le matin avec de l'huile végétale pour éliminer les toxines et améliorer la santé buccale. Cette pratique vous permet de vous sentir propre et revigoré. Les huiles essentielles telles que le citron, la menthe poivrée ou l'eucalyptus dégagent des parfums vivifiants. Quelques gouttes sur un tissu ou dans un diffuseur de parfum peuvent stimuler vos sens et vous rendre plus alerte. Sport et activité physique le matin. Inclure une séance d'entraînement dans votre routine matinale est une excellente façon de démarrer votre journée sur une note positive. Les préférences varient d'une personne à l'autre, mais ce qui importe, c'est de trouver un moment qui s'adapte harmonieusement à votre emploi du temps quotidien et de vous y tenir de manière consistante. Essayez de varier vos exercices. Par exemple, faites une activité cardio un matin et de la musculation le lendemain. Émilie Girard Ancienne cadre supérieure de l'industrie cinématographique, fait de l'exercice quatre matins par semaine, alternant entre le pilate et la course sur tapis roulant. Elle s'est fixée pour objectif de ne pas laisser les réunions et les appels perturber son emploi du temps d'entraînement. Le jogging est une forme d'exercice matinal appréciée et efficace. En outre qu'il renforce le système cardiovasculaire, il libère des endorphines, garantissant une humeur positive. Al Elrod, auteur du livre The Miracle Morning, considère la course à pied matinale comme un bon moyen de mettre de l'ordre dans ses idées et de réfléchir à l'avenir proche. Le jogging peut être combiné avec d'autres activités comme l'écoute de musique préférée, la planification de la journée, la recherche d'idées créatives et de perspectives. C'est de même une excellente occasion de prendre l'air et de bénéficier de la lumière naturelle. Beaucoup de ceux qui ont commencé à courir admettent que cela devient une sorte de drogue positive. Ils se sentent plus énergiques et abordent les tâches quotidiennes de manière plus active. C'est pourquoi le jogging est l'un des sports les plus populaires parmi les entrepreneurs et les cadres. Les chaussures de jogging doivent être confortables et offrir un bon amorti. Il est essentiel de respirer correctement et d'adopter une bonne posture pour ménager les articulations. Si possible, Rejoignez un groupe de courses organisé près de chez vous ou visionnez de courtes vidéos tutoriels sur la technique de course. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'exercice régulier, il est recommandé de commencer par des séances courtes et gérables. Quelques pompes, squats et étirements feront circuler votre sang et éveilleront votre corps. Stephen Guise, auteur du livre Bien mieux que de bonnes résolutions, raconte par exemple comment une pompe par jour a changé sa vie. De plus, il est souvent plus facile de s'entraîner si vous avez un partenaire qui vous accompagne, car il peut vous encourager à rendre les séances plus agréables. Préparez vos affaires de sport la veille, comme vos vêtements et chaussures, réduit les obstacles potentiels et vous permet de vous mettre en action plus rapidement le matin, de rester motivé. Louis Dupont, auteur et général à la retraite, commence sa journée à 4h du matin avec une séance d'entraînement d'une heure et demie, alternant course à pied et musculation. Il dispose ses vêtements et chaussures de sport dans la salle de bain la veille au soir pour pouvoir s'habiller rapidement et se mettre en route. Pour vous motiver davantage, envisagez de vous offrir de petites récompenses après vos séances d'entraînement. Elles peuvent être aussi simples que regarder une émission de télévision amusante et futile pendant que vous êtes sur le tapis de course ou sur un vélo d'appartement. Ces petites gratifications ajoutent une dimension positive à votre routine matinale d'exercice renforçant ainsi votre motivation à poursuivre vos efforts. Considérez l'idée de réserver du temps pour une activité que vous aimez particulièrement, comme la lecture d'un chapitre de votre livre préféré, l'écoute d'un podcast inspirant ou la méditation après chaque séance d'entraînement. Cette récompense vous offre un moment de plaisir personnel et vous permet de savourer la satisfaction d'avoir accompli votre exercice matinal. C'est une excellente façon de renforcer votre engagement envers votre routine sportive et de créer une association positive entre l'effort physique et une activité que vous appréciez. La nageuse de fond Marie-Pierre Lefebvre commence ses journées avec une séance de piscine débutant vers 6h50 et finissant vers 8h15. Pour rester fraîche, elle fait la grâce matinée deux fois par semaine et prend son dimanche matin pour se reposer, regarder le lever du soleil et lire au lit. Intégrer un entraînement corporel dans votre routine matinale permet de commencer votre journée sur une note positive. De nombreuses personnes aiment faire de l'exercice le matin, que ce soit du cardio ou de la musculation, dans le centre de fitness le plus proche. La danse aérobique, la zumba et d'autres séances d'entraînement avec des éléments de danse sont une autre option populaire. Les cours collectifs avec des personnes partageant la même passion et sur une musique joyeuse et positive Augmente encore la motivation. Les entraînements ou les cours de Zumba sont également un superbe moyen de se revitaliser les périodes Mossad et pluvieux. Une matinée calme. Le Surya Namaskar est une option pour ceux qui préfèrent commencer leur matinée de manière plus calme et qui sont attirés par la sagesse et la culture orientale. Il s'agit d'une pratique matinale puissante, aussi connue sous le nom de salutation au soleil. En plus de perfectionner la souplesse et le renforcement physique, cet enchaînement d'asanas vise l'alignement mental. Le Surya Namaskar associe la respiration et le mouvement dans un enchaînement harmonieux qui étire et renforce le corps tout en recentrant l'esprit. La salutation au soleil n'est pas seulement un exercice physique, c'est tout autant un voyage spirituel. L'activité se compose de douze positions qui s'enchaînent de manière fluide. À chaque respiration, vous passez à une nouvelle position, améliorant ainsi la flexibilité et renforçant les muscles. Cette pratique équilibre le flux d'énergie dans le corps et harmonise l'esprit. Chaque asana a sa signification et ses effets spécifiques. Pour des instructions plus détaillées et une explication étape par étape du Surya Namaskar, vous pouvez consulter des vidéos sur YouTube, lire des livres ou apprendre la pratique en quelques heures. Dans un centre de yoga près de chez vous. Le stretching est une méthode d'assouplir la musculature et de relâcher les tensions. Des exercices d'étirement ciblés améliorent la circulation sanguine et la mobilité, ce qui peut être particulièrement bénéfique après une nuit de sommeil. Un autre effet important est l'activation du flux lymphatique, ce qui permet de réduire les œdèmes et les congestions. Voici quelques exercices de yoga et de stretching que vous pourriez intégrer dans votre routine matinale. Réveil de la colonne vertébrale. Allongez-vous sur un tapis de yoga ou une serviette pour créer une surface confortable. Étendez vos bras sur les côtés, perpendiculairement à votre corps, de manière à ce que les paumes de vos mains touchent le sol. Pliez vos genoux et soulevez vos jambes pour créer une position assise en position couchée. Déplacez lentement vos deux jambes vers la droite, de sorte que le genou droit touche le sol, puis ramenez vos hanches à la position de départ. Répétez le mouvement de l'autre côté. Assurez-vous de garder vos épaules en contact avec le sol et de poser vos mains sur le sol. Répétez l'exercice 4 à 8 fois. Le lotus. Asseyez-vous sur le sol en écartant légèrement les jambes. Inspirez profondément, puis expirez en inclinant doucement le haut du corps vers l'avant pour essayer de toucher vos pieds. Maintenez cette position pendant quelques respirations pour ressentir l'étirement le long de votre colonne vertébrale et de vos jambes. Assurez-vous de ne pas forcer et de ne vous étirer que jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. L'arc. Cet exercice se concentre sur l'étirement de l'avant du corps. En particulier de la poitrine et de l'abdomen, tout en ouvrant le chakra du cœur. Allongez-vous sur le ventre, pliez les genoux, puis attrapez vos pieds ou vos chevilles avec les mains. En expirant profondément, soulevez vos jambes et, en même temps, éloignez votre torse du sol pour former un arc. Tenez fermement vos chevilles avec vos mains, tandis que votre corps est dirigé vers le haut en formant un arc. Sentez l'étirement dans votre poitrine et maintenez la position pendant quelques respirations. En expirant, revenez lentement à la position initiale. En plus de ces activités, les pratiques respiratoires telles que le pranayama peuvent contribuer à améliorer l'oxygénation du corps et à favoriser la clarté mentale. Le pranayama, le contrôle de la respiration, est une technique qui permet d'augmenter l'endurance et d'apaiser l'esprit. Voici quelques exercices de pranayama particulièrement adaptés au matin. Kapalabhati, respiration crânienne. Cette technique de respiration dynamique nettoie les voies respiratoires et augmente l'apport en oxygène. Asseyez-vous dans une position confortable, expirez vigoureusement par le nez en tirant le ventre vers la colonne vertébrale. Ensuite, laissez la respiration entrer naturellement. Effectuez 20 respirations rapides, suivies d'une courte pause. Répétez cela plusieurs fois. Anuloma, viloma, respiration alternée. Cet exercice équilibre le flux respiratoire et apaise l'esprit. Obturez la narine droite avec le pouce, inspirez par la narine gauche. Ensuite, fermez la narine gauche avec l'annulaire, expirez par la narine droite. Inspirez à nouveau par la narine droite, puis fermez-la et expirez par la narine gauche. Répétez cela plusieurs fois en alternant l'ouverture et la fermeture des narines. bras -Marie, respiration bourdonnante de l'abeille. Cet exercice apaisant aide à recentrer l'esprit et à réduire le stress. Fermez les yeux et bouchez les oreilles avec les pouces. Inspirez profondément puis expirer en produisant un doux bourdonnement, semblable au bourdonnement d'une abeille. Sentez les vibrations dans votre tête et votre corps. Répétez cela plusieurs fois pour trouver la paix intérieure. Les exercices de pranayama peuvent être intégrés dans votre routine matinale pour commencer la journée avec clarté et sérénité. Si vous souhaitez explorer davantage le monde du pranayama, vous pouvez, par exemple, Trouvez des instructions complètes sur différentes techniques de respiration chez spécialistes français comme Catherine Brault ou Christian Pisano. Une promenade. Commencez votre journée par une petite promenade matinale et découvrez une source d'inspiration et de vitalité. Si vous avez un compagnon à quatre pattes, vous connaissez déjà les bienfaits de ces balades. Les matins offrent une opportunité précieuse pour libérer l'esprit, apaiser le stress, et stimuler votre créativité. Avec le lever du soleil, la journée commence naturellement à s'éveiller, tout comme votre corps. Ajoutez à cela une tasse de café ou votre boisson préférée, ou pourquoi pas un petit déjeuner dans un café voisin. Tôt le matin, les villes sont paisibles, l'air est plus pur, et la quiétude règne. Vous pouvez même pratiquer la pleine conscience en souhaitant mentalement un bon matin à ceux que vous croisez ou en vous concentrant sur chaque pas que vous faites et la sensation de vos pieds touchant le sol. Imaginez-vous au bord de l'eau, écoutant le chant des oiseaux dans un parc, marchant pieds nus sur le sol, et pourquoi ne pas méditer sous un arbre N'oubliez pas que la nature est une source inépuisable de sérénité et d'émerveillement. L'auteur et formatrice Angèle Mercier admet que ses promenades matinales sont une source constante d'inspiration pour de nouveaux livres, ainsi que pour la planification. C'est au cours de ces escapades matinales qu'elle laisse son esprit vagabonder et trouve de nouvelles idées pour son travail d'écriture, tout en organisant les tâches à accomplir au fil de la journée. Un petit déjeuner riche en énergie. Dans l'ensemble, un petit déjeuner équilibré et riche en nutriments est une base importante pour une matinée réussie. N'oubliez pas que le choix du petit déjeuner est un élément important de votre routine matinale individuelle et qu'il peut vous aider à commencer votre journée pleine d'énergie, d'humeur positive et de productivité. Le moment de votre petit déjeuner dépend de votre biorhythmme personnel et de votre emploi du temps. Certaines personnes préfèrent prendre le petit déjeuner dès le réveil, tandis que d'autres peuvent avoir faim après un certain temps. En général, les experts recommandent de prendre le petit-déjeuner dans une heure ou deux qui suivent le réveil afin de stimuler le métabolisme et de fournir du tonus au corps. Les rythmes circadiens influencent la digestion. C'est le matin que le tractus gastro-intestinal produit la plus grande quantité d'enzymes, de sucs gastriques et de substances apparentées. Le soir, ces processus ralentissent. Il est donc recommandé de privilégier un petit-déjeuner copieux et un dîner léger. En même temps, le repas matinal doit vous apporter un maximum de nutriments et vous donner une attitude positive, pas provoquer de somnolence. Votre choix ne doit pas être surchargé ni vous fatiguer. Il est important à cet égard de tenir compte des sensations individuelles. Que l'on adopte un régime végétalien ou consomme des produits laitiers ou carnés, il existe un principe qui s'applique à tous. Choisir des produits ayant subi un minimum de transformation industrielle. En plus d'offrir des nutriments indispensables à tous les systèmes du corps, ces aliments naturels favorisent l'énergie et la vitalité. Les aliments transformés industriellement contiennent beaucoup moins de ces éléments utiles et plus de ces substances toxiques. Le petit déjeuner doit se composer d'un choix d'aliments différents. La combinaison de nutriments variés fournit à l'organisme de l'endurance. Les céréales complètes comme les flocons d'avoine ou le pain complet fournissent des glucides de longue durée, source d'énergie stable pour la matinée. Les fruits frais comme les baies, les bananes ou les pommes enrichissent le goût et vous apportent en même temps des vitamines essentielles, des fibres et une douceur naturelle. Les œufs, le tofu, le yaourt ou les produits laitiers Peuvent servir de source de protéines qui constituent la base d'un développement corporel sain et favorisent la satiété. En outre, les protéines entretiennent et réparent des tissus, renforçant ainsi le corps. Les produits riches en protéines, viande maigre, omelette, œufs, les noix, les avocats, le thé vert, le matin, accélèrent le métabolisme, augmentent la vigilance et donnent des forces. Les tisanes, camomille, menthe, origan, thym ainsi que le thé de cynorhodon, source de vitamine C, d'oligoéléments et d'antioxydants, sont utiles. L'eau minérale non gazeuse est également bénéfique. Buvez un verre d'eau à température ambiante ou tiède 20 à 30 minutes avant le petit-déjeuner pour stimuler la digestion. Il n'est pas recommandé de boire de l'eau réfrigérée à jeun car cela entraîne un stress pour le corps. Attention, certains aliments ne doivent pas être consommés à jeun. Les fruits et les baies acides, notamment les agrumes, peuvent provoquer des brûlures d'estomac, surtout si vous souffrez de gastrite ou d'une maladie de la vésicule biliaire. Il n'est pas non plus conseillé de prendre des légumes crus au premier petit déjeuner. Les produits sucrés à base de farine et de céréales, en particulier, ne sont pas recommandés. Si vous souffrez de troubles gastro-intestinaux, vous devriez demander conseil à un nutritionniste pour composer votre régime. Le choix conscient de vos boissons pour le petit déjeuner est aussi important. Vous pouvez opter pour quelque chose de traditionnel ou faire preuve de créativité en dégustant un café revigorant avec du curcuma et de la crème végétale ou en vous préparant un smoothie riche en nutriments. Pour beaucoup, un cappuccino ou un latte le matin est un rituel, mais la caféine peut tout autant provoquer de la nervosité et de l'agitation. Si l'effet stimulant de la caféine vous manque, des alternatives naturelles sont à votre disposition. Vous pouvez par exemple recourir à des herbes comme le guarana, le yerba maté ou le matcha, qui contiennent naturellement de la caféine et peuvent vous donner une source d'énergie. Ces alternatives sont souvent plus douces pour l'estomac et n'entraînent pas d'agitation nerveuse. Votre choix de petit déjeuner donne le ton de la journée et le choisir avec soin peut contribuer à ce que votre matinée commence de manière vivante et efficace. Un matin pour l'âme et l'esprit. Commencez la journée en prenant soin de soi et en étant attentif. Les mapuches, qui vivent au Chili et en Argentine, croient que le soir un vieux soleil meurt et qu'au matin un nouveau soleil apparaît. Quelle belle idée. Ainsi, chaque matin vous offre la possibilité de faire table rase, et la capacité de prendre un nouveau départ. Le fait de prêter attention à vos besoins dès le début de la journée vous aide à répondre calmement et de manière productive aux défis de la journée. Le temps pour soi que vous appréciez dans les heures calmes du matin peut devenir précieux et nécessaire à votre bien-être. En saisissant ce moment, en vous accordant le temps d'écouter votre être intérieur, vous créez un espace pour la clarté mentale et la tranquillité. Vous éveillez votre esprit à la quiétude des premières heures du jour avant que le tumulte de la vie quotidienne ne s'installe. Cette quiétude matinale devient votre allié, une source de force et de résilience. Lorsque vous accordez de l'importance à vos besoins dès l'aube, vous vous préparez à faire face aux enjeux qui vous attendent. Vous développez une capacité à réagir avec calme grâce à votre réservoir intérieur de paix. Plutôt que de vous laisser submerger par les exigences de la journée, vous les abordez avec confiance, sachant que vous avez pris soin de vous en premier lieu. La magie des matins réside dans le temps pour soi que vous pouvez vous octroyer. Au milieu du silence qui enveloppe le monde, vous pouvez méditer, réfléchir sur vos objectifs, ouvrir un livre qui vous inspire ou simplement déguster votre café en toute sérénité. C'est ce moment où vous vous retrouvez où vous vous recentrez et où vous puisez la force intérieure pour affronter ce qui vous attend. Chaque matin est une opportunité de créer votre propre histoire, d'écrire vos propres aventures et de devenir l'auteur de votre vie. Tirer le meilleur parti du début de la journée vous permet de vous armer en vue des nécessités à venir et de hiérarchiser judicieusement vos responsabilités. Le sentiment d'accomplissement que vous ressentez lorsque vous terminez un projet important avant le déjeuner, ou que vous faites de l'exercice tôt dans la journée, est stimulant et revitalisant. Chaque petit pas que vous faites le matin vous rapproche de vos objectifs, renforce votre confiance en vous, et vous aide à surmonter les challenges avec aisance. Les matins bien gérés sont le secret des journées bien vécues. Chaque matin est une opportunité précieuse pour réaligner votre vie sur vos aspirations. Profitez de ces moments pour créer, pour planifier, pour vous ressourcer et pour faire de chaque jour une page blanche que vous écrivez avec détermination et espoir. Planifiez et fixez des priorités le matin. Ceux qui se considèrent comme des personnes du matin trouvent qu'ils travaillent de manière productive pendant les premières heures de la journée. Commencez votre journée en vous concentrant résolument sur vos objectifs. Dressez en fin de journée la liste des choses à faire le lendemain matin. Le fait de l'écrire vous libère l'esprit de la pensée de ce que vous devez faire. Limitez votre liste à cinq ou six éléments et faites votre travail en les rayant au fur et à mesure. La règle des trois dits. Commencez la journée par trois tâches que vous voulez accomplir avant le soir. Vous atteignez ainsi plusieurs objectifs. Vous identifiez ce qui est vraiment important pour vous et ce à quoi vous devez consacrer moins de temps. Abordez les tâches les plus urgentes en premier, lorsque vous êtes au mieux de votre forme et de votre concentration. Brian Tracy appelle cela manger la grenouille, c'est-à-dire accomplir la tâche la plus difficile et la plus chronophage du matin. Protégez votre temps productif du matin en planifiant les appels, les réunions et les tâches moins exigeantes pour plus tard dans la journée. Les coachs dans le domaine de la planification du temps et de la vie insistent souvent sur l'importance de faire des pauses de travail utiles que nous utilisons non seulement pour nous reposer et nous détendre, mais aussi pour planifier, analyser les résultats obtenus et y réagir. L'auteur Élise Martin orchestre ses matinées, tandis que le reste de sa journée est sans dessus-dessous. Elle admet que son écriture est bordélique, mais le matin est le moment où elle fait le boulot. Elle commence sa journée vers 6 heures du matin, boit une tasse de thé et pratique le yoga et la méditation. Elle prend des notes dans un agenda le soir, bien qu'elle s'y réfère rarement le lendemain. Le simple fait d'écrire ce qu'elle a à faire lui permet de s'éclaircir les idées. Vérifier vos emails dès votre réveil n'est généralement pas une bonne idée. Cela signifie renoncer au contrôle de vos actions et de vos pensées et vous oblige à répondre aux questions et demandes des autres. Cependant, à l'inverse, Thomas Gauthier, le président de l'université, vérifie ses emails en premier. Il est généralement debout avant que son réveil sonne à 6 heures. Il parcourt ses courriels à ce moment-là, afin de pouvoir répondre à toute urgence qui aurait pu se produire à l'étranger pendant la nuit. Après cela, il peut prendre son petit déjeuner et lire les nouvelles à son rythme avant de se doucher et de se rendre au travail. La matinée est mon moment le plus productif de la journée, dit Mathieu Rocher, fondateur d'une entreprise à succès. Il commence tôt avec du café et travaille sur deux ou trois projets qu'il a hiérarchisés la veille. Il laisse les emails et le petit déjeuner de côté jusqu'à ce qu'il ait terminé une bonne partie du travail. De même, le président du conseil d'administration, Alexandre Giraud, affectionne une arrivée à son bureau à 6h15 au plus tard. Il aime avoir le temps de se préparer et de se tenir au courant des nouvelles du monde entier. Méditation et pleine conscience pour un début de journée concentré et détendu. La méditation est une pratique ancienne qui a le pouvoir de transformer votre vie de bien des manières. Elle offre une gamme d'avantages allant de l'amélioration de la concentration et de l'attention à la réduction du stress et à l'amélioration de la qualité du sommeil. En observant nos réactions et en apprenant à les accepter sans jugement, comme le fait la méditation Vipassana, nous augmentons notre résistance au stress et notre acceptation de nous-mêmes et du monde. Mais comment pouvez-vous intégrer la méditation et la pleine conscience dans votre routine matinale de manière à maximiser ses avantages Il existe de nombreuses méthodes et astuces qui vous permettront d'incorporer ces pratiques de manière simple et efficace. Pour commencer, envisagez d'utiliser une application de méditation guidée, regardez des vidéos sur YouTube ou faire vous-même un exercice de pleine conscience. De nos jours, il existe une multitude d'applications conçues pour vous mener à travers des sessions de méditation. Ces programmes proposent une variété de méditations adaptées à différentes préférences, que vous souhaitiez vous concentrer sur la respiration, la pleine conscience ou d'autres techniques de méditation. L'une des grandes forces de ces applications est qu'elles vous permettent de personnaliser votre expérience en fonction de votre emploi du temps. Vous pouvez choisir la durée de la session qui correspond à votre routine matinale, que ce soit 5, 10 ou 20 minutes. Les applications peuvent également vous offrir des méditations spécifiquement conçues pour le matin, vous aidant à commencer la journée du bon pied, avec clarté, concentration et calme intérieur. Voici quelques-unes de ces formes de méditation. Méditation sur la respiration Dans la méditation sur la respiration, la respiration est le point d'ancrage de l'attention. Prenez quelques minutes pour vous asseoir confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Vous observez votre respiration calmement sans la juger pendant que vous inspirez et expirez. Cette pratique permet de réduire le stress et de développer un esprit clair. Respirez profondément et lentement en remarquant les sensations de l'air entrant et sortant de vos narines. Lorsque votre esprit commence à divaguer, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Méditation de pleine conscience. Cette méditation consiste à être présent dans le moment présent et à prendre conscience de ses sentiments et de ses perceptions sensorielles. Vous pouvez aussi bien vous concentrer sur votre respiration, vos sensations corporelles ou les bruits qui vous entourent. La méditation de pleine conscience aide à calmer les pensées et à passer la matinée avec l'esprit clair. Elle peut être particulièrement utile pour calmer votre esprit et vous préparer mentalement pour la journée à venir. Méditation de gratitude Dans cette méditation, vous vous concentrez sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous réfléchissez aux aspects positifs de votre vie, de vos relations et de vos expériences. La méditation de gratitude favorise les émotions positives et peut vous aider à commencer la journée avec une attitude positive. Elle est également idéale pour terminer la journée. Méditation de visualisation Dans cette forme de méditation, vous imaginez de manière vivante une situation future positive. Vous vous imaginez atteindre vos objectifs, avoir du succès ou passer la journée dans un état de joie et d'accomplissement. La méditation de visualisation vous aide à orienter votre esprit vers des résultats positifs. Méditation d'affirmation Ici, vous répétez des déclarations ou des affirmations positives qui renforcent votre confiance en vous et oriente vos idées dans une direction positive. Vous pouvez vous dire des mots d'encouragement qui vous aideront à atteindre vos objectifs et à commencer la journée avec une ambiance positive. Vous pouvez préparer ces phrases à l'avance en les écrivant sur une feuille de papier. Méditation par mantra Ici, vous utilisez un mot, une phrase ou un mantra répété comme point focal pour votre méditation. La répétition constante du mantra peut avoir un effet apaisant et aider à centrer l'esprit. La méditation ne se limite pas à votre routine matinale, bien sûr. Vous pouvez l'intégrer dans d'autres moments de la journée. Par exemple, vous pouvez laisser votre esprit s'immerger dans des pensées méditatives pendant que vous courez ou faites de l'exercice, créant ainsi un précieux espace de calme dans l'agitation matinale. Pareillement, vous pouvez méditer pendant les pauses déjeuner ou les moments de détente. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnalités notables ont intégré la méditation dans leur routine matinale et leurs expériences peuvent être des sources d'inspiration. Par exemple, l'auteur Léa Dubois varie sa routine matinale selon qu'elle enseigne, écrit ou dirige une retraite de méditation. La plupart du temps, elle commence sa matinée en pratiquant la méditation zazen pendant une demi-heure. De même, le directeur d'un studio d'animation, Étienne Rousseau, médite jusqu'à 60 minutes chaque matin avant de faire de l'exercice. Cela l'aide à faire taire ses pensées négatives et à calmer sa tendance à ruminer des événements ou des préoccupations du passé. Il est essentiel de se rappeler que la méditation n'est pas une pratique magique qui résoudra tous vos problèmes du jour au lendemain. Elle exige de la patience et de la constance. Il est parfaitement normal de rencontrer des obstacles et des distractions pendant votre méditation, mais le simple fait de consacrer du temps à ces pratiques peut avoir un impact significatif sur votre bien-être mental et physique. Pour de nombreux adeptes de la méditation, il ne s'agit pas uniquement d'atteindre un état de tranquillité parfaite, mais plutôt de cultiver une présence d'esprit accrue. La méditation vous aide à développer une conscience plus éveillée envers vos sentiments, vos émotions et le monde qui vous entoure. Le type de méditation que vous choisissez pour votre routine matinale dépend de vos préférences personnelles, de vos objectifs et de vos besoins. Nous avons décrit des exercices basés sur la pratique de l'autocompassion et la méditation bouddhiste vipassana. Vous trouverez d'autres exemples dans les livres de Christophe André ou Fabrice Midal. Pause de guérison pour soi-même La pause curative vers soi-même est un exercice méditatif qui sert à se calmer et à se recentrer en période de tension, de stress ou de défi émotionnel. C'est une forme de soin de soi qui permet de porter une attention aimante à soi-même et de trouver le calme intérieur. Choisissez un endroit calme et tranquille où vous vous sentez bien et où vous pouvez vous retirer quelques minutes. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux ou laissez votre regard se poser doucement sur un point. Portez d'abord votre attention sur votre respiration. Sentez comment le souffle entre et sort par le nez, comment le ventre se soulève et s'abaisse pendant la respiration. Scannez votre corps à la recherche de tension. Détendez consciemment les muscles de votre visage, de vos épaules, de votre cou, de vos bras, de votre dos et de vos jambes. Posez votre attention sur vos pensées et vos sentiments. Observez-les sans les juger ni les modifier. Prenez conscience de ce qui se passe en vous et acceptez-le sans résistance. Si vous remarquez un esprit négatif dérangeant en vous, laissez-le simplement s'installer. Et dites Oui, je vois qu'elle est en moi. Imaginez une lumière douce et chaude enveloppant votre cœur et le remplissant de bonté aimante. Prononcez doucement ou intérieurement des paroles d'amour à votre égard. Par exemple c'est bien comme ça. Je suis là pour soi. Je lâche prise et j'accepte. Ou ⁇ Je m'aime inconditionnellement ⁇ Il est également possible d'exprimer des souhaits pour la journée. Puisses-tu avoir une journée productive et joyeuse Puisses-tu trouver plus de soutien et de compréhension Puisses-tu avoir assez de force pour tout Imaginez qu'un rayon de lumière plein d'amour continue de circuler dans votre corps et remplit chaque cellule de chaleur et de sécurité. Restez quelques minutes dans cet exercice méditatif. Permettez-vous de vous nourrir et d'être compatissant envers vous-même pendant cette pause de guérison. Il n'est toutefois pas nécessaire de rester en position du lotus et de réciter des mantras si l'on n'en a pas envie. Concentrez votre attention et affinez votre conscience pendant que vous faites bouillir de l'eau pour le thé ou que vous préparez du café. Laissez votre esprit s'attarder sur des pensées méditatives pendant que vous courez ou vous faites de l'exercice. Trouvez des moments tout au long de la journée pour rester présent et aiguiser votre attention à vos pensées ainsi qu'au monde qui vous entoure. Prenez consciemment le temps de vous concentrer sur les détails agréables de votre environnement, de vos sentiments, et de percevoir les petits plaisirs du moment. Soyez attentif à tous vos sens et immergez-vous complètement dans votre expérience. Asseyez-vous un instant en silence et prenez conscience des couleurs, des formes et des textures qui vous entourent. Écoutez les sons et les bruits. Soyez attentif aux odeurs et aux goûts. Sentez le toucher et les textures sur votre peau. Lorsque vous mangez et buvez, soyez conscient du goût, de la consistance et du plaisir de chaque bouchée. Soyez attentif aux arômes qui se développent dans votre bouche, à la texture de la nourriture sur votre langue et aux sensations qu'elle provoque dans votre corps. Bref, vous pouvez faire cet exercice en mangeant, en faisant le ménage, en vous promenant ou tout simplement au calme dans votre chambre. L'important est de se concentrer, d'observer et de contrôler sa propre attention et ses intentions, profiter du moment présent. La fondatrice d'une chaîne de café, Chloé Lambert, utilise la méditation matinale quotidienne pour régler ce qui provient de l'autre côté de l'attention consciente. La méditation permet de relativiser les difficultés en faisant remonter à la surface des sentiments de gratitude pour la richesse de la vie. Page du matin et tenue d'un journal. On entend souvent des blogueurs sur YouTube dire ⁇ Ma méditation consiste à écrire un journal. Cela soulage le cerveau, aide à exprimer les idées et les sentiments avec plus de précision et donne une vue d'ensemble de toute la vie. ⁇ Selon eux, l'écriture de pages du matin est une bonne voie pour commencer la journée. Il s'agit d'un exercice célèbre tiré du livre The Artist's Way de Julia Cameron. L'idée est simple. Chaque matin, vous vous asseyez et écrivez trois pages à la main. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Peu importe ce que vous écrivez. Ce n'est pas la qualité de l'écriture qui compte, mais le processus lui-même. C'est une sorte de rituel qui doit favoriser le flux créatif et clarifier l'esprit. Ces pages vous permettent de coucher sur le papier vos soucis, vos rêves et vos idées sans les censurer ni les repenser. En exprimant vos pensées et sentiments par l'écriture, vous créez un espace pour la créativité. Cela permet d'explorer des idées qui peuvent parfois passer inaperçues dans la routine quotidienne. L'acte d'écrire contribue ensuite à la clarification de l'esprit et à l'organisation des pensées, favorisant la libération de réflexions oppressantes et l'établissement d'une perspective claire pour la journée. Souvent, les blocages créatifs ou les peurs peuvent entraver la créativité et l'écriture régulière des pages du matin aide à les identifier et à les surmonter. De plus, ces pages matinales offrent un espace de réflexion et de découverte de soi. Vous pouvez déceler des schémas dans votre vie et acquérir de nouvelles connaissances sur vous-même. Pratiquer cette écriture quotidienne vous permet de cultiver une habitude créative qui peut stimuler votre productivité, et votre capacité à générer continuellement de nouvelles idées. Il est essentiel de rappeler que les pages du matin ne sont pas destinées à la perfection et elles ne doivent pas être partagées avec d'autres. Elles constituent un espace privé pour vos pensées et émotions sans nécessité de préparation ni d'équipement particulier, à l'exception de papier et d'un stylo. Vous pouvez les relire au moins six semaines plus tard pour potentiellement y découvrir des réflexions intéressantes. Un vrai bon matin commence le soir. Des routines efficaces le soir pour bien commencer la journée suivante. Tout le monde n'a pas des soirées libres, mais si vous passez habituellement vos soirées à la maison, utilisez ce temps judicieusement plutôt que de vous affaler devant la télévision. Certaines personnes préfèrent travailler la nuit, mais même les noctambules devraient mettre en place une pratique apaisante avant d'aller au lit. Les activités du soir que les gens trouvent bénéfiques comprennent la sélection de leurs vêtements pour le lendemain et la préparation de leurs tenues de sport. À la fin de votre journée de travail, écrivez des listes de choses à faire et passez en revue le programme du lendemain. Une planification claire permet d'aborder la matinée de manière ciblée. Sophie Bouchard, auteure et conférencière, réfléchit aux choses pour lesquelles elle est reconnaissante et se posent des questions de fin d'activité avant de s'endormir, comme ⁇ Quel a été le moment fort de ma journée ?⁇ Se réveiller dans une maison bien rangée est agréable, donc faites le ménage avant de vous coucher. Mettez la cuisine en ordre et préparez votre machine à café. Le temps que vous passez à vous détendre le soir vous donne l'occasion, le lendemain, de méditer, prier, pratiquer la gratitude ou tenir un journal personnel. Julien Moreau, fondateur d'une chaîne de magasins d'aliments sains, aime lire le soir après avoir pris sa douche et choisit ses vêtements pour le lendemain. Parfois, il est tellement captivé par une biographie ou un livre d'histoire qu'il reprend sa lecture s'il se réveille dans la nuit. L'auteur et éducateur Victor Chevalier vante les bienfaits d'une tasse de thé à la camomille avant de se coucher pour l'aider à dormir et à rester hydraté pendant la nuit. Une promenade en soirée à l'air frais est bénéfique en toute saison. En été, elle peut être l'occasion de dire adieu à la journée et d'apprécier le chant des oiseaux au coucher du soleil. Si vous faites du sport, veillez à le faire au moins deux heures avant d'aller vous coucher, sinon la température du corps augmente et l'endormissement devient plus difficile. Le yoga doux, les étirements ou un bain chaud avec des herbes et des sels de magnésium sont également des options. Les bains plus chauds doivent toutefois être pris environ deux heures avant le coucher. De même, les exercices de manifestation sont bien adaptés juste avant d'aller se coucher. Vous pouvez visualiser vos objectifs ou les noter dans un journal. La méditation et la gratitude pour la journée écoulée créent une ambiance détendue et contribuent à un meilleur sommeil. Al-Alrod, déjà mentionné, recommande de se fixer une intention positive avant de s'endormir. Il souligne que la première pensée du matin tend à être similaire à la dernière pensée avant de s'endormir. Par conséquent, il est conseillé de préparer consciemment et positivement son esprit la veille pour le lendemain matin. Respectez une règle importante. Évitez d'utiliser des gadgets environ deux heures avant d'aller vous coucher. La lumière et les écrans qui clignotent perturbent votre rythme circadien et les informations provenant des médias sociaux peuvent provoquer de l'agitation. En résumé, les soirées sont un moment précieux qui mérite d'être utilisé de manière stratégique. Que vous cherchiez à optimiser votre préparation pour le lendemain, à cultiver la tranquillité d'esprit ou simplement à maintenir un environnement bien rangé, votre routine du soir peut jouer un rôle clé dans votre succès quotidien. De combien de sommeil a-t-on vraiment besoin On pense couramment à tort, que les adultes peuvent se contenter de moins de 7 à 9 heures de sommeil. Certaines personnes fonctionnent bien avec moins, mais la plupart des gens ressentent les effets néfastes d'un manque de sommeil. De nombreuses études scientifiques le prouvent. L'idéal est de dormir au moins 7 à 8 heures, certainement pas moins. Dans un article de la Harvard Business Review, intitulé Sleep Deficit, The Performance Killer, Charles A. Seisler, professeur baldino de médecine du sommeil à la Harvard Medical School, compare le manque de sommeil à une consommation excessive d'alcool et explique qu'une nuit blanche ou une semaine à ne dormir que 4 ou 5 heures par nuit entraîne une déficience équivalente à un taux d'alcoolémie de 0,1%. Il est important de comprendre que le sommeil n'est pas une perte de temps. De nombreux processus physiologiques de récupération n'ont lieu que pendant le sommeil. Le sommeil est souvent associé au repos corporel, mais comme le montrent des recherches récentes, il a en fait plus à voir avec l'activité cérébrale. Pendant le sommeil, le cerveau est littéralement irrigué et nettoyé par le liquide céphalorachidien. Ce liquide élimine les déchets du métabolisme, y compris les composés toxiques qui affectent la mémoire. Les gaines de myéline nécessaires à la transmission des signaux entre les cellules nerveuses, sont également activement renouvelés pendant le sommeil. Les troubles du sommeil et le manque de sommeil interrompent ces processus importants. Résultat Nous nous réveillons fatigués et paresseux et ne sommes pas en mesure d'effectuer un travail intellectuel exigeant. Un manque de sommeil réduit la productivité pendant la journée et une fatigue persistante fait baisser le QI. Le risque de dépression augmente et des sautes d'humeur ainsi que des émotions négatives apparaissent. Le corps devient plus vulnérable aux maladies et aux infections. Si vous devez vous contenter de moins de 6 heures de sommeil par nuit, vous ne savez probablement même plus ce que vous ressentez lorsque vous êtes en pleine force de volonté. C'est ce qu'écrit Kelly McGonigal dans son fascinant best-seller The Willpower Instinct: How Self-Control Works. Why it matters and what you can do to get more of it mais pourquoi un mauvais sommeil affecte t il la volonté le manque de sommeil affecte l'utilisation du glucose la principale source d'énergie pour le cerveau et le corps la fatigue rend plus difficile l'absorption du glucose par les cellules ce qui entraîne l'épuisement d'ici vient l'envie de sucreries de fast food ou de caféine qui ne fournissent pas des éléments efficaces. Votre cortex préfrontal, une partie du cerveau avide d'énergie, souffre particulièrement d'un léger dysfonctionnement préfrontal comparable aux effets de l'ivresse. Le manque de sommeil perturbe le contrôle du cortex préfrontal sur d'autres zones, entraîne une augmentation des alarmes de stress et réduit l'autorégulation. En outre, les personnes qui manquent de sommeil prennent plus facilement du poids et ont plus de mal à en perdre. Des études montrent que les personnes qui travaillent de nuit présentent un risque accru d'obésité, de diabète de type 2 et d'hypertension. De nombreuses personnalités éminentes comme Ariana Huffington, fondatrice de la publication en ligne Post, et de la société Thrive Global de gestion du comportement, ont reconnu l'importance d'un sommeil suffisant. En raison d'un manque de sommeil, Ariana s'est un jour évanouie et a subi un traumatisme crânien. Cela l'a amené à reconsidérer sérieusement ses habitudes et même à écrire un livre intitulé La révolution du sommeil. Heureusement, la plupart des effets négatifs du manque de sommeil sont réversibles. Pour rétablir un sommeil régulier, il est essentiel de se coucher à la même heure, y compris le week-end. Même si vous ne pouvez pas dormir huit heures d'affilée, deux petits ajustements peuvent avoir un impact direct. Une seule bonne nuit peut ramener le fonctionnement optimal du cerveau et le sommeil en début de semaine peut servir de réserve pour compenser un manque de sommeil ultérieur. Certaines études indiquent que la durée des heures de veille consécutives est cruciale. Une courte sieste peut restaurer la tension et l'autorégulation, même après une nuit de sommeil insuffisante. Une alternative consiste à dormir environ 90 minutes en utilisant une alarme pour éviter la somnolence, correspondant à la durée d'un cycle de sommeil complet. Essayez l'une de ces stratégies, que ce soit la récupération du sommeil, l'anticipation ou la sieste, pour atténuer ou prévenir les effets du manque de sommeil. Une approche de ce type peut tout autant être bénéfique pour un groupe particulièrement touché par le manque de sommeil, à savoir les parents de jeunes enfants, notamment les nourrissons. Il est conseillé de faire des siestes courtes de 10 à 20 minutes au cours de la journée. Ces siestes plongent la personne dans la deuxième phase du sommeil, régénérant ainsi ses niveaux d'énergie. Comment apprendre à s'endormir plus vite et à mieux dormir Pour s'endormir plus rapidement et obtenir un meilleur sommeil, il convient de suivre quelques stratégies éprouvées. Pour obtenir le meilleur sommeil possible, allez vous coucher un peu plus tôt et suivez des heures de coucher et de réveil régulières. Transformez votre chambre en paradis du sommeil en la gardant sombre, calme et fraîche. Si vous n'avez pas de rideau occultant, utilisez un masque de sommeil pour bloquer la lumière extérieure indésirable. Envisagez l'utilisation de bouchons d'oreille ou d'une machine à bruit blanc pour minimiser les perturbations sonores. Investir dans un matelas de haute qualité et des oreillers adaptés à vos préférences de sommeil peut grandement influencer la qualité de votre repos. À partir de la fin de l'après-midi, évitez les boissons contenant de la caféine. La nicotine et l'alcool sont d'autres substances à éviter car elles peuvent également affecter négativement votre sommeil. Lorsque c'est l'heure d'aller dormir, faites de votre chambre une zone exempte d'appareils numériques. Les télévisions et les appareils numériques émettent une lumière bleue qui perturbe les rythmes circadiens naturels de votre corps en trompant votre cerveau pour qu'il pense qu'il fait toujours jour. Éviter les écrans au moins une heure avant d'aller dormir peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil. Au lieu de contenu visuel, envisagez des activités apaisantes comme la lecture d'un livre, la méditation ou l'écoute de musique relaxante, des podcasts et des livres audio pour vous détendre avant d'aller vous coucher. Utilisez une lumière chaude et tamisée au lieu de la lumière vive du jour pour vous préparer au sommeil. Les exercices de respiration profonde sont efficaces pour réduire le stress et conditionner votre corps et votre esprit en vue d'une bonne nuit de sommeil. Évitez de vous coucher l'estomac plein en optant pour des aliments faciles à digérer et essayez de prendre votre dernier repas avant 19h pour prévenir les troubles digestifs pendant le sommeil. Idéalement, votre chambre à coucher doit être un espace dédié au calme et à l'intimité. Dans une étude, des chercheurs ont conseillé à des personnes souffrant de troubles du sommeil d'aller se coucher uniquement lorsqu'elles se sentaient fatiguées. En cas d'insomnie, elles devaient se déplacer dans une autre pièce jusqu'à ce qu'elles ressentent la somnolence. Progressivement, les participants ont associé leur chambre au sommeil, facilitant l'endormissement rapide une fois au lit. Le cerveau a appris que la chambre était exclusivement réservée au sommeil, éliminant les distractions telles que les smartphones, la télévision ou la montre constamment surveillée. Si vous vivez dans un petit appartement avec un espace limité, divisez-le en zones distinctes. Aménagez une chaise pour la lecture, un bureau pour le travail, un coin dédié à la méditation et à la relaxation avec un tapis de yoga et un lit pour dormir. Évitez d'utiliser la chambre pour consulter votre smartphone ou regarder la télévision. Chaque zone sera associée à une activité et à un état d'esprit spécifique. De plus, passer d'une zone à l'autre, que ce soit dans la chambre ou l'appartement, favorisera un réveil plus alerte et dynamique le matin. La fondatrice de journal, Adèle Leclerc, considère son rituel du coucher comme sacro-saint. Elle éteint ses appareils numériques, prend un bain chaud à la lumière des bougies et boit souvent une tasse de thé apaisant à la camomille ou à la lavande. Son objectif est de prendre le train de minuit, c'est-à-dire de s'endormir vers minuit. L'experte en rangement, Clémence Roux, met de l'ordre dans sa maison et s'applique des huiles essentielles réconfortantes sur la nuque avant de se coucher. Mathieu Renault, le créateur de bandes dessinées, se considère comme un compartimenteur de classe internationale. Il laisse son travail à son bureau et n'y pense plus au moment de s'endormir. Routine matinale pour les cas particuliers. Les routines matinales pour les parents avec enfants. Lorsque les enfants font partie de l'équation, vos anciennes routines matinales sont reléguées dans le passé. Les parents le savent bien. Les réveils tôt le matin pour prendre un petit-déjeuner tranquille ou profiter de quelques instants de calme disparaissent dans le passé. Cependant, une fois que votre bébé commence à dormir toute la nuit, il peut être judicieux de reconsidérer vos habitudes matinales. Envisagez de vous lever avant son heure de réveil pour vous offrir une heure précieuse. Cette recommandation ne s'applique évidemment pas aux parents de bébés pour lesquels le sommeil est la priorité. Les enfants vous obligent à vous adapter à leurs besoins changeants. Vous devrez instaurer de nouveaux rituels familiaux. Pour les jeunes enfants, cela peut impliquer de jouer ensemble ou de se promener, tandis que les enfants plus âgés peuvent participer à la préparation du petit déjeuner. À partir de 5-6 ans, vous pouvez introduire des activités adaptées à leur âge, comme le yoga en famille, dans votre routine matinale. La fondatrice de l'entreprise, Camille Laurent, Apprécie le temps qu'elle passe le matin à lire et à jouer avec sa fille de deux ans. Avant d'avoir des enfants, les matinées de Laurent étaient moins structurées, mais maintenant elle trouve du plaisir à cette routine maman-bébé. Les routines sont importantes pour les bébés et les jeunes enfants, car elles leur communiquent un sentiment de sécurité et de bien-être. Essayez de les maintenir, même en voyage, et les planifiez à l'avance. Cela permet aux enfants d'être plus disciplinés et de développer progressivement des règles utiles. Lorsque les enfants vont à l'école maternelle ou primaire, il est plus facile de leur expliquer que là aussi, il y a certaines règles et obligations. Des études ont montré que les enfants qui grandissent dans des familles où le repas du soir est régulièrement partagé, obtiennent de meilleurs résultats scolaires, démontrent une maîtrise plus avancée de la régulation émotionnelle et affichent une plus grande confiance en eux. De la même manière, entretenir l'habitude de secouer régulièrement les draps est corrélé à une augmentation de la productivité, d'un bien-être amélioré et d'une attitude plus responsable vis-à-vis -vis des finances. Bien que le simple fait de partager des repas en famille ou de faire son lit correctement ne soit pas directement lié à de meilleurs résultats scolaires ou à une consommation plus modérée, ces changements initiaux, d'une manière ou d'une autre, déclenche des réactions favorisant le développement et la consolidation d'autres habitudes positives. Le matin, ignorez vos appareils numériques pour vous concentrer uniquement sur vos enfants. Le début de la matinée est un bon moment pour raconter des histoires, partager un repas et se tenir au courant. Cette interaction peut devenir un moment précieux qui renforce les liens familiaux et apporte une dose de chaleur et de positivité à tous. Prenez toujours le temps de vous dire au revoir avant la journée de travail ou d'école avec un câlin et un baiser. L'adaptabilité est essentielle avec les enfants car leurs besoins évoluent avec le temps. À mesure que vos enfants grandissent, vos traditions familiales évoluent également. La créativité et la souplesse sont de rigueur, mais vous dégagerez davantage de temps pour vous. Le cofondateur d'un service d'actualité en ligne, Olivier Leroy, Joue avec son fils pendant environ une heure avant de partir travailler. Les Lego avaient sa préférence pendant un certain temps, mais depuis peu, il joue à Minecraft sur un iPad. Avant d'avoir des enfants, le journaliste Guillaume Durand écrivait le matin. Maintenant, il est debout à 5h30 avec son bambin. Poursuivre son enfant partout dans la maison est devenu son entraînement matinal. La routine matinale pour les voyageurs Lorsque vous partez en voyage, votre routine matinale habituelle est perturbée. Cependant, nous vous encourageons à maintenir certains de vos rituels matinaux. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire de l'exercice, vous pouvez pratiquer des activités dans votre chambre d'hôtel, utiliser la salle de sport de l'établissement, faire du jogging ou une promenade matinale. Il est tout autant possible de télécharger des applications Proposant des itinéraires touristiques pour courir près de la mer ou pour méditer. N'oubliez pas d'emporter avec vous votre thé préféré, vos produits de douche ou vos huiles essentielles. Partir en vacances pour quelques semaines permet de modifier et élargir votre routine matinale. Souvent, en pleine nature et loin de la ville et du travail, on se réveille plus tôt. Routine matinale pour les couples aux biorythme différents. Les couples sont parfois confrontés à des rythmes de vie différents, y compris en matière de sommeil. Les phases naturelles de sommeil et d'éveil peuvent varier considérablement d'un partenaire à l'autre, créant ainsi un défi à relever. Cependant, il est important de reconnaître que la coexistence de rythmes de sommeil différents offre une opportunité de s'adapter de manière créative et affectueuse aux besoins individuels. Si vous et votre partenaire avez des horaires de sommeil divergents, il est recommandé de trouver un équilibre. Vous devez respecter les habitudes de sommeil de l'autre et éviter de les perturber tout en prenant des décisions conscientes pour passer au moins une partie de la matinée ensemble. Par exemple, prendre un petit déjeuner en commun permet non seulement de communiquer et de renforcer les liens, mais aussi de commencer la journée de manière harmonieuse, quels que soient vos rythmes respectifs. Une autre option consiste à pratiquer ensemble le yoga ou d'autres activités matinales. Si l'un de vous préfère être actif tôt le matin, tandis que l'autre se lève plus tard, vous pouvez établir une routine qui vous permet de vous retrouver pour des activités communes au moins quelques fois par semaine. Cela favorise la santé physique, crée des moments de connexion et soutien mutuel. La communication et la recherche de compromis sont essentiels. Trouvez des moyens de répondre à vos besoins différents sans sacrifier complètement vos pratiques. En équilibrant les cycles de sommeil individuels et les moments de partage, vous pouvez créer une routine matinale harmonieuse qui respecte la singularité de chaque partenaire tout en renforçant votre relation. Routine matinale du week-end L'organisation de la routine matinale du week-end peut différer de celle des jours ouvrés en raison des différentes dynamiques et exigences de ces deux périodes. Alors que les jours de semaine sont souvent marqués par des obligations, le travail et un emploi du temps structuré, le week-end offre la possibilité de se concentrer sur la détente, les soins et les intérêts personnels. En semaine, vous devez respecter un horaire précis pour arriver à l'heure au travail ou à d'autres engagements. Le week-end, vous pouvez vous lever plus tard et aborder votre routine matinale à un rythme plus détendu. Vous avez l'opportunité de consacrer davantage de temps à des activités telles que la méditation, la lecture ou à savourer un petit déjeuner tranquille. Vous pouvez préparer un repas spécial et nutritif qui vous fera plaisir. Si vous passez plus de temps en famille ou avec vos proches, vous pouvez intégrer à votre routine matinale des activités que vous pouvez apprécier ensemble. Si en semaine vous pourriez préférer une activité physique plus rapide, comme une courte séance d'entraînement ou des étirements, le week-end vous permet de profiter de longues promenades, du yoga ou d'autres activités physiques qui vous plaisent. Accordez-vous du temps pour vous-même. Cela peut comprendre un bain relaxant, une routine de soins approfondis ou plus de temps pour la méditation et la détente. Le week-end, vous pouvez vous consacrer à vos passe-temps ou intérêts créatifs, comme le dessin, l'écriture ou la musique, pour stimuler votre esprit créatif. En fin de compte, l'organisation de votre routine matinale le week-end est une opportunité de vous concentrer sur vos besoins et préférences. Profitez de ce moment pour vous reposer, vous inspirer et recharger vos batteries pour la semaine à venir. Le programme de 21 jours pour changer de vie L'efficacité des routines matinales ne se révèle pas immédiatement, mais se développe au fil du temps. Les experts et les études ont montré que pour établir une nouvelle habitude, il faut au moins 21 jours, voire idéalement un mois, soit un cycle lunaire complet. Pourquoi cette période Parce que nos comportements et schémas de pensée ne changent pas du jour au lendemain. Une pratique continue et répétée est nécessaire pour obtenir des résultats durables. Au début, il peut être difficile de vous habituer à votre nouvelle routine matinale, mais plus vous répétez ces activités, plus elles deviennent naturelles dans votre quotidien. Vos structures cérébrales s'adaptent progressivement et des changements positifs commencent à émerger, que vous optiez pour la méditation, l'exercice physique, la lecture ou toute autre activité. Votre persévérance durant cette période ouvre la voie à des changements profonds. Débutez avec une routine matinale gérable, composée de quelques activités, pour réduire la pression et intégrer progressivement une nouvelle habitude. Identifiez les résultats que vous visez avec votre routine matinale, que ce soit plus d'énergie, de clarté mentale ou de sérénité, afin de maintenir votre concentration et votre motivation. Intégrez d'abord les activités les plus importantes pour vous dans la routine matinale pour rester concentré et éviter les distractions. Organisez votre espace matinal de manière inspirante et motivante car un environnement bien rangé facilite l'engagement dans la routine. Préparez à l'avance tout ce dont vous aurez besoin, que ce soit des vêtements de sport, un carnet de notes ou un coussin de méditation pour gagner du temps le matin. Utilisez des alarmes, des minuteries ou des applications pour vous rappeler votre routine matinale, ce qui peut vous aider à la transformer en habitude. Trouvez le moment de la matinée qui correspond le mieux à votre rythme biologique, que vous soyez plus énergique le matin ou plus à l'aise le soir. C'est bénéfique de parler de votre routine matinale avec vos amis ou votre famille pour créer un engagement social et un soutien mutuel. Soyez flexible. Reconnaissez que certains jours il peut être difficile de suivre toute la routine et il vous faudra adapter les activités aux circonstances pour ne pas vous décourager. N'oubliez pas de vous offrir de petites gratifications lorsque vous avez réussi votre routine matinale, renforçant ainsi la motivation et le sentiment d'aboutissement. Certains jours, il sera plus difficile que d'autres de suivre votre routine matinale. Soyez patient car il s'agit d'un processus qui demande du temps et des efforts. Cependant, avec une pratique continue et les bonnes stratégies, votre routine matinale peut devenir une partie intégrante de votre vie, apportant des changements positifs. Après environ un mois, vous pourriez constater que votre routine matinale est devenue une habitude naturelle. Les effets positifs commenceront à se manifester, tels qu'une endurance accrue, une meilleure concentration, une plus grande sérénité intérieure et un bien-être global. Votre esprit deviendra plus clair, vous prendrez des décisions plus conscientes et votre vision de la journée et du monde évoluera. Si votre vie était stressante et chaotique, les rituels matinaux apporteront la stabilité qui vous manquait. La transformation permise par des routines matinales cohérentes est profonde et durable. La continuité sur cette période vous permet de briser les anciennes habitudes pour laisser place à de nouveaux comportements positifs. En faisant de votre routine matinale une priorité et en lui consacrant du temps sur une longue période, vous posez la première pierre d'un changement qui peut enrichir votre vie de bien des façons. Souvenez-vous que la patience et la persévérance sont essentielles lors de cette transition. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais surtout de qualité et de cohérence. Si vous abordez votre routine matinale avec l'attention et la détermination nécessaires, les effets positifs se manifesteront progressivement, enrichissant durablement votre vie. La routine matinale ⁇ une voie vers le succès ⁇ Comme vous l'avez appris dans ce livre de développement personnel, la routine matinale est un facteur essentiel qui influence votre vie quotidienne. Pour rendre votre journée la plus productive possible, vous devriez consciemment concevoir votre routine matinale et la revoir régulièrement pour l'adapter à vos besoins et objectifs personnels. Les éléments clés d'une routine matinale réussie sont ⁇ Dormir suffisamment, ne pas se lever trop tard et commencer la journée consciemment ⁇ Réserver du temps pour l'activité physique ⁇ Pratiquer des exercices de pleine conscience ou de méditation développez une routine du soir qui vous prépare à une nuit de repos assurez un sommeil adéquat pour une journée productive il est important de souligner que la routine matinale ne doit pas être rigide au contraire vous devriez être prêt à la rendre flexible et à l'adapter aux besoins de votre vie actuelle votre routine matinale doit évoluer avec vous et s'ajuster aux changements qui se produisent au fil du temps la vie est dynamique et vos besoins et priorités peuvent changer. L'adaptabilité de votre routine matinale est une force majeure. Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre routine pour répondre à vos besoins spécifiques du moment. Par exemple, si vous avez une période de travail intense, vous pourriez choisir de vous lever plus tôt pour consacrer du temps à votre projet avant le début de la journée de travail. Si vous vous sentez au contraire fatigué ou malade, vous pourriez ralentir votre routine matinale pour vous accorder plus de repos. Il est essentiel de vous donner la liberté d'expérimenter avec différents éléments de votre routine matinale. Rappelez-vous qu'une routine matinale bien conçue vous aidera à mieux gérer votre journée et à atteindre vos objectifs. Soyez doux avec vous-même et assurez-vous que votre routine matinale vous apporte de la joie et de la motivation. Finalement, votre routine matinale devrait être une source de positivité dans votre vie. Elle devrait vous aider à vous sentir prêt à affronter les défis avec confiance et détermination. Si vous ressentez que votre routine matinale n'apporte pas les avantages que vous recherchez, prenez le temps de l'examiner et de l'ajuster pour qu'elle reflète au mieux vos besoins actuels. En construisant une routine matinale flexible et adaptée à votre vie, vous construisez les bases d'une vie épanouie et réussie. Vous êtes en contrôle de votre matinée et cela peut avoir un impact positif sur toute votre journée. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et laisser un commentaire pour participer au tirage au sort.